Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Bienvenue à notre étude comportementale de troisième humaine très peu recommandable que vous, terriens, avez lâchement, sauvagement persécuté. Aujourd'hui, jour de gloire à nous, foutus terriens. Votre heure a sonné. La fin du monde est proche. Erreur, erreur, erreur. Ces belles plumes dans les teintes brunes, la fragilité de ses ailes, son corps mou sur le sol, cette route glacée traversée par des engins métalliques sans arrêt qui manquaient de l'écraser, de l'écrabouiller, capable d'arrêter sa souffrance en un seul coup de patte. Son estomac se soulève, l'intérieur de son ventre lui semble vouloir jaillir par l'orifice des dents. Son pouls, qui bat à coups précipités comme son cœur, qui devient intense, bruyant. Cet œil rouge, incendié, puis vitreux. Cette langue, qui halète, énorme et grosse, d'abord blanche, puis rouge, puis noire, et comme charbonneuse et fendillée. Tout annonce un orage organique sans précédent. Cette pute est une grande âme, personne ne peut le nier. Elle s'occupe des victimes d'accidents de voiture, ceux à qui il manque des membres, les soldats défigurés, les victimes de la guerre, les handicapés mentaux, les personnes atteintes de malformations, etc., 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 etc. Si elle avait pu s'occuper de John Merrick, elle l'aurait fait avec toute son âme. Cette femme est une sainte. Idiot. Ça, c'est la véritable Vierge Marie, amante des lépreux. La vertu n'est qu'une chimère, dont le culte ne consiste qu'à des immolations perpétuelles, qu'à des révoltes sans nombre contre les inspirations du tempérament. Une seule goutte de foutre éjaculée d'un membre, mais plus précieuse que les actes les plus sublimes d'une vertu que je méprise. J'aime pas les pédales! Il faut les éradiquer! Celui qui dit, c'est celui qui est. Ta gueule, toi la pute! Elle a pas tort. Je t'emmerde! Et c'est poli! Tu n'es qu'un idiot prétentieux et fourbe. Toi, tu es qu'un pauvre insatisfait, envieux et frustré. Vous vous connaissez si bien. Oui, mais nous ne les connaissons pas. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons. De larves qui coulaient comme un épais liquide, le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague. Et pourtant, nous serons semblables à cette ordure, à cette horrible imperfection. La lamentation de l'escargot vaut tous les fous rires du monde. J'ai très envie d'encastrer sa tête dans le mur. Martha franchit la barrière blanche et sa jupe à dentelle noire s'enfonça dans les fourrés comme un petit pain au chocolat. Les ongles écorchés, la respiration haletante. Andy se retourna vers moi et me regarda, horrifié. De mon poignard perlaient quelques fines gouttes de sang rouge sombre.
sombre, sombre côté obscur de ses poils pubiens. Une décharge de 6000 volts! Dieu le cyclée de mon pilote! Et nos reins, alors, se révoltent! D'un coup. D'épilepsie! Synchrone! J'achète, je consomme, je jette. J'achète, je consomme, je jette. Vous êtes tous conviés à mourir d'un cancer. Lequel choisiriez-vous? Voici le jeu. Question pour un futur cancéreux. Métastase. 3 points. Quelle est l'autre appellation pour les cancers du poumon? Grosse en mer. Faux. Poumon. Les symptômes pouvant révéler un cancer du poumon sont crachats de sang, tout est normal, fatigue, perte d'appétit, affection pulmonaire à répétition. Félicitations, pute. Super cancer mortel du poumon. De toute façon, nous sommes les détritus de la société. On a déjà commis notre suicide social, alors autant finir une bonne fois pour toutes avec une mort sublimement tragique, pleine de poésie et de grâce, sans les derniers sacrements, comme les exécrables démons humains que la civilisation voit en nous. Ok, ça ne dit pas comment on va mourir. Hein. Santé! Santé!